Reconnaître et tracer un angle droit. Pour retrouver l'angle droit de ton équerre, il faut repérer le plus grand côté de ton équerre. L'angle droit se trouve en face. Le plus grand côté. L'angle droit est en face. Pour repérer si un angle est droit, je dois absolument utiliser une équerre. Je commence par repérer l'angle droit de mon équerre. Puis j'essaye de faire coïncider l'angle droit de l'équerre avec l'angle. C'est un angle droit. Je le marque par un petit angle rouge. Je commence par repérer l'angle droit de mon équerre, puis j'essaye de faire coïncider l'angle droit de l'équerre avec l'angle. Ce n'est pas un angle droit. Il est plus grand qu'un angle droit. Ce n'est pas un angle droit non plus. Il est plus petit. C'est un angle droit. Ce n'est pas un angle droit. Ce n'est pas un angle droit non plus. Par exemple, on trouve des angles droits dans le carré, le rectangle et le triangle rectangle.